Noir. Lumière. Bonsoir. Vous savez, si j'en suis actuellement là en train d'exercer ce merveilleux métier d'actrice de cinéma, ce n'est pas uniquement grâce à mon talent. Non, c'est surtout grâce à ma famille. Quand je parle de ma famille, je pense à mon mari. À mon mari, M-A-R-E. Mon époux, si vous préférez. C'est égal, notez ce que vous voulez. Il est également mon producteur, mais c'est anecdotique. Alors, quand je parle de ma famille, je pensais à mes enfants. Ce sont des merveilles. Et dans la vie d'une femme, ça n'a pas de prêt. Car je suis une femme également. Peut-être même avant d'être une actrice. Mes enfants sont tout pour moi, vous savez. Ils m'ont tout, vraiment tout donné. Réellement. Je pense même qu'ils m'ont construite. Ils sont ma lumière, mon équilibre, mon énergie. J'irai même plus loin. Ils sont mon eau minérale. Oui, c'est ça, mes enfants. Ça m'a badoie. Vous savez, nous, gens de cinéma, acteurs, artistes, comédiens d'interprétation, peu importe, on a la lourde tâche et je dirais la chance inouïe de pouvoir incarner tous les personnages d'une vie. C'est ce qui fait notre richesse. Et sans mes enfants, je pense que je n'aurais jamais pu quitter le monde normal. C'est eux qui m'ont poussée à faire ce métier. Je ne supportais plus leurs cris à la maison. C'était leur manière de me dire « Mère, vous êtes faite pour une autre vie. Fuyez !» Ils m'ont mise dehors. Ils sont si intelligents, finalement. Très intelligents. Très bien. Les dauphins, hein. Et bien sûr que j'aimerais les voir plus souvent. Quelle question! Souvent, je souffre seule dans ma chambre d'hôtel à l'autre bout du monde, à New York, Los Angeles, Dunkerque, California. Impossible de les aimer. La vie de palace n'est pas faite pour moi. Dans les draps de soie, un enfant pourrait glisser. Soyons sérieux. Non, ils ne vivent pas à la maison avec nous, c'est exact. J'estime que le marbre est trop dangereux pour les enfants. Et inversement. Non, ils sont bien plus en sécurité avec leur nourrice, Melinda. Une femme admirable, m'attendit. Incroyable, oui. Je voulais que leur vie soit préserver la jungle parisienne, le bruit, la foule, la pollution, la fête, la vie. Je les ai laissés en bordure de la ville, dans la petite bourgade de Mantes-la-Jolée. C'est magnifique, hein? C'est merveilleux, c'est la campagne. Ils ont un petit bout de gazon pour jouer, ils ont une balançoire. C'est sublime, une balançoire. Un enfant. Oui, on se voit une fois par an, c'est exact. Pour la Toussaint. Ouais, évidemment, j'aimerais que ça soit pour Noël, ce serait tellement plus romantique, mais l'hiver, je suis amée avec mon mari et mes amis. Il fait trop froid en France, mais eux, ils sont bien ici, ils ont la neige. C'est important la neige en hiver. On ne peut pas décemment enlever la neige à un enfant. Je ne suis pas une monstre. Ouais, mes enfants, je les aime, hein, je vous l'ai dit. Le petit dernier, comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est un garçon. Ah, Jérémy. Il ressemble tellement à son père. Il faudrait qu'il le voie, hein, j'en serais drôle. Hein. Oh, mes enfants, je crois que je les aime trop. Ça me bouffe. Ah, dis ça la bouffe, c'est très joli. Je me suis promis de leur
la prendre dans mes bras. Ah oui, bah sûrement pour une séance photo, sans doute. Ça m'en ferait tellement plaisir. Noir.